La Via Rhôna existe à Champagneux comme sur une partie de la Savoie depuis les années 2006-2007. Elle apporte un grand nombre de cyclistes, mais aussi de promeneurs, plusieurs milliers par an. À nous d'essayer d'en profiter pour valoriser notre territoire. Ce qui nous a amené à créer la boucle de découverte Galetti en partenariat avec la CNR. Merci aussi d'avoir choisi pour point de départ cette randonnée, l'espace de la Tuilerie-Fontaine, dont le Conseil Général, la CNR et notre municipalité ont participé financièrement à sa réhabilitation. L'essentiel étant de montrer par là que nous avons une belle réalisation qui se déroule tout le long du Rhône. Pour notre club d'aviron, c'est une journée historique. Je crois que désormais, nous fêterons chaque année le 1er juin, comme on fête le 14 juillet. Vous savez, l'aviron est une grande famille, et notre club en est un brillant exemple. Je rajouterai une famille qui met à l'honneur le mot respect. Respect de l'autre, respect de la nature, respect de l'adversaire. Elle met aussi à l'honneur le mot volonté. Volonté de faire l'effort, volonté de réussir, volonté de se dépasser. Ce navire amiral, n'en doutons pas, va offrir un nouveau départ à notre club. Encore quelques merci si vous le voulez bien. Cette fois à tous les financeurs de cet ouvrage. Notre communauté de communes, bien sûr. Le Conseil Général de l'Ain, le Conseil Régional Rhône-Alpes. L'État, à travers le Centre National de Développement du Sport. Et bien sûr, la Compagnie Nationale du Rhône, grâce à ses missions d'intérêt général. Il y a 10 ans, la CNR a souhaité faire bénéficier les territoires traversés par le Rhône d'un certain nombre d'aménagements. Donc la Via Rhôna, nous finançons 25% de la Via Rhôna, nous finançons la réhabilitation des Launes et nous avons décidé effectivement de participer à la construction de ce bâtiment. Cette année, nous avons signé avec la Fédération Nationale d'Aviron un partenariat puisque nous avons décidé d'accompagner ce sport qui se rapproche en fait de ce qu'est la CNR. Tout ce qui nous rapproche, c'est l'eau. Vous avez prononcé les mots tout à l'heure de respect, de volonté. C'est ce que la CNR veut promouvoir et donc nous accompagnons aussi l'Aveyron. Donc ce que je veux dire, c'est qu'au travers de ces missions d'intérêt général, eh bien, nous sommes sortis du schéma classique d'une entreprise qui travaille et qui vit à l'intérieur de l'entreprise et nous sortons de l'entreprise et nous accompagnons donc en fait les collectivités traversées par le Rhône. Je voudrais simplement remercier les équipes de la CNR, représentées ici par Éric Divet et Laurent Tonini, qui au quotidien, au-delà de ces événements un peu majeurs, au quotidien œuvrent pour que le Rhône soit un fleuve partagé par l'ensemble des collectivités traversées par le Rhône. Merci beaucoup.